Bonsoir Jean, ça va? Vous allez bien? Je vous vois très très bien, mais je ne vous entends pas. Ça y est, j'ai activé mon micro. Excellent, comment Merci, vas-tu? bonjour Karim. Bonjour, bonsoir, comment vas-tu? Ça va Bonsoir. bien? Très Dans ces bien. temps-là de Covid. Oui, c'est angoissant. C'est très. Angoissant, anxiogène, Oui. très difficile. Eh bien, nous espérons que avec ces mesures-là qu'on commence à avoir à travers le monde, qu'on réduit un peu l'étendue de la pandémie et qu'on Oui. arrive à la maîtriser et qu'on revient Tu à la normale. es en Allemagne, toi, en ce moment? Le centre est en Allemagne. Et là, tu es où, toi? Je suis au Maroc. Ah, À d'accord. Rabat, plus précisément. Très bien. Ça me manque, hein. Tu sais que je devais y aller il y a 3 semaines et pratiquement la veille de mon départ, le Maroc a fermé ses frontières. Oui. J'ai suivi vos annonces par rapport à la conférence que vous allez donner. Oui. Et malheureusement, c'est le variant Omicron qui a tout chamboulé dernièrement. Oui. On se donne 3 minutes avant de commencer officiellement, Oui, d'accord, d'accord. pour faire quelques réglages. OK. Bien, ben on va démarrer dans quelques minutes, hein, le temps de faire quelques réglages. Alors, ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est essentiellement une réflexion sur le concept même d'économie sociale, ce qu'il sous-entend. Si Et je vous vais préférez également bien, si vous préférez essayer. bien, Votre Excellence, c'est qu'on aborde ça lors de du démarrage de la conférence. Oui, d'accord. On lance la conférence dans quelques minutes avec une Oui. petite présentation, bien sûr, Non, mais non. J'étais en présentée. train de parler à mon propre web que je fais sur Facebook là, en ce moment. D'accord, Voilà, c'est d'accord, pour ça. d'accord. مساء الخير على الجميع. يشرفنا في المركز الديمقراطي العربي وبتعاون مع المركز المتوسطي للأبحاث التشاركية التابع لجامعة محمد الخامس بالمغرب أن نقدم لكم في إطار سلسلة محاضرات المركز الديمقراطي العربي محاضرة جديدة تحت عنوان الإيكونومي سوسيال اي سوليدير أو الاقتصاد الاجتماعي
التضامن محاضرة الليلة من إلقاء الأستاذ جون غاتيل رجل سياسة فرنسي والسكرتير السابق لوزير الدفاع الفرنسي في حكومة فرانسوا ميتيران. الأستاذ جون غاتيل له سيرة ذاتية غنية، فهو وزير سابق للاقتصاد الاجتماعي، مستشار لمجموعة المحامين سود جوريس، وأيضا مشرف على الماستر 2 لقانون العقود. ولد في 10 من فبراير سنة 1948 بفيينا. هو رئيس المجموعة البرلمانية للدراسات حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للجمعية العامة من 1988 إلى 1993، وأيضاً عضو للمجلس الوطني للحياة الجمعوية منذ بين 1992-1994، مكلف بمناهج ودروس ماستر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وريادة الأعمال بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المغرب. مستشار في التكوين، له عدة محاضرات بكل من فرنسا والمغرب وتونس. إطار محلي لإدارة الجماعات الترابية، فهو كان مدير ديوان وأيضا مدير الاقتصاد الاجتماعي بجامعة إيغو دو فوكلوز. أستاذ مبرز للعلوم الاقتصادية والاجتماعية، له متريز في التاريخ المعاصر من جامعة ليون والعلوم الاقتصادية من جامعة إكس مارسي، وماجستير في قانون العقود من جامعة أفينيون. Monsieur Jean Gattel, votre excellence, oui. Je vous ai présenté en langue arabe pour cette J'ai conférence, compris. Pour nos chercheurs qui nous suivent à travers le monde arabe, le Maghreb et le Moyen-Orient, parce que, comme vous savez, le centre, la plupart de ses activités sont en langue arabe, et c'est un privilège et un honneur que ce soir, nous allons débuter une nouvelle expérience, c'est-à-dire en organisant des conférences et des activités en langue française. Vous êtes le premier professeur à animer ce genre d'activité ce soir avec nous. Nous sommes très heureux et très ravis de vous accueillir sur cette plateforme Zoom du Centre démocratique arabe qui se trouve en Allemagne, à Berlin. Monsieur Jean Gattel, je suis fier de vous présenter et permettez-moi de reprendre en langue française la présentation. C'est que vous êtes né le 10 février 1948. Vous êtes un ancien ministre de l'économie sociale dans le gouvernement français. Vous étiez aussi ex-secrétaire auprès du ministère de Défense dans le gouvernement de François Mitterrand dans les années 80, précisément 83-84. Et c'est un volet que nous espérons développer très très prochainement lors d'une autre activité axée sur le volet sécuritaire et de défense. Vous, en même temps, vous étiez président du groupe parlementaire d'études sur l'économie sociale et solidaire, membre du Conseil national de la vie associative entre 92 et 94. Vous êtes actuellement chargé du cours Master Économie sociale et solidaire et entrepreneuriat à l'Université Hassan II à Casablanca, au Maroc. Vous êtes consultant et formateur aussi, vous avez donné plusieurs conférences. Vous donnez actuellement aussi des conférences en ligne sur
Zoom et Facebook et d'autres plateformes. Vous êtes administrateur territorial, donc vous occupez de la chose territoriale en ce qui concerne l'économie solidaire et sociale. Vous étiez directeur de cabinet, puis directeur d'économie à la commune ou bien à la circonscription de Hérault-Vaucluse. Vous êtes professeur certifié en sciences économiques et sociales et vous avez beaucoup de diplômes à l'Université de Lyon, Aix-en-Provence, Avignon, et vous êtes auteur aussi de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage que vous allez présenter ce soir. Oui, le voilà, qui est un ouvrage aussi important et aussi primordial pour la compréhension de l'économie sociale et solidaire, sachant que plusieurs pays arabes, ils adoptent actuellement ce qui les appelle les nouveaux modèles de développement axés sur une économie sociale et solidaire comme fer de lance. Votre Excellence, vous avez la parole pour souhaiter la bienvenue à nos chers chercheurs et aussi commencer la conférence. Merci Karim. Est-ce que tout va bien sur le plan technique et est-ce que vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons très très bien. Vous êtes aussi élégant comme toujours. Nous vous voyons 5 sur 5. Bon, c'est gentil. Karim, tu as pratiquement tout dit effectivement de mon long parcours, hein, et parcours qui est effectivement essentiellement destiné à promouvoir cette forme d'économie un petit peu particulière qu'est l'économie sociale et solidaire et que je vais développer au cours de cette conférence en espérant être le plus concis possible, ce qui n'est pas toujours dans, malheureusement, mes habitudes. Hein. J'ai souvent tendance à beaucoup trop parler. Alors, tu as dit un petit peu l'essentiel me concernant, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment découvert les richesses du secteur de l'économie sociale et solidaire lorsque j'ai été nommé par François Mitterrand secrétaire d'État à l'économie sociale et au développement territorial, hein, dans le gouvernement dont le Premier ministre était Laurent Fabius. Hein, c'était un secrétariat d'État qui n'avait jamais existé en France et que j'ai donc eu le privilège d'inaugurer. Ce secrétariat d'État s'est étendu sur 2 ans, hein, jusqu'en 86. Mais ensuite, je n'ai cessé de travailler dans l'économie sociale comme député, comme élu local, comme universitaire. Désormais, puisque j'ai terminé mon activité professionnelle, je continue à me consacrer à l'économie sociale sous forme de conférences, sous forme de rencontres, et en particulier, comme tu l'as dit, je privilégie depuis quelques années mes déplacements sur le Maghreb et en particulier sur le Maroc, puisque tu l'as dit, hein, j'ai été associé à un master d'économie sociale et solidaire qui a été créé par mon ami Amin Achkirid à l'université Hassan II de Casablanca, hein, qui est la plus grande université du Maroc. Malheureusement, la pandémie et le ralentissement des échanges entre l'ensemble des pays du monde a fait que je n'ai pas revu mes étudiants maintenant depuis 2 ans. Hein. J'avais accompagné 3 promotions d'étudiants en Master 1 et Master 2, étudiants d'ailleurs qui ont particulièrement bien réussi dans leur activité professionnelle. Donc, depuis que je suis un petit peu privé de mes déplacements au Maghreb et en particulier donc aussi en Tunisie, puisque j'ai beaucoup fait de conférences en Tunisie et je continue à faire beaucoup de webinaires avec la Tunisie, je me suis consacré à l'écriture d'un bouquin, hein, qui s'appelle donc
l'économie sociale et solidaire, hein, pour un nouveau modèle de développement dont je vais essayer de vous parler. Et donc, je commence sans plus attendre l'approfondissement de ma conférence. Alors, on parle beaucoup effectivement d'économie sociale et solidaire depuis quelques années. Pardon, excusez-moi. C'est un concept donc qui est relativement récent. C'est un concept qui ne s'est pas affirmé dans la majorité des pays avant les années 1980. On parlait beaucoup dans la plupart des pays qui connaissaient un type d'organisation d'entreprise sous forme de coopérative, de mutuelle ou d'association, hein, de ces différentes familles, hein, mais d'entreprise, hein, mais on ne parlait pas du concept global d'économie sociale et solidaire. Et c'est simplement donc dans les années 1980 qu'en France, on parle de ce concept. Et sans suite, ce concept a été un petit peu exporté, hein, hors de mon pays, et beaucoup de pays donc à travers le monde, hein, on en parlera à la fin de ma conférence, ont adopté ce mot, hein, d'économie sociale et solidaire, en y mettant parfois d'ailleurs des contenus très différents, hein, parce que il n'y a pas de modèle unique de l'économie sociale et solidaire, hein. Il y a un modèle français, mais il y a également un modèle marocain, un modèle tunisien, hein. Chaque pays essaye d'adapter ce concept à sa réalité culturelle, sociale, géopolitique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire? Eh bien, c'est un ensemble d'entreprises qui répondent à un certain nombre de modes de fonctionnement et de valeurs qui leur sont particulières et qui sont extrêmement précises. Alors, parmi ces modes de fonctionnement qui caractérisent les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et je préfère toujours employer ce terme d'entreprise d'économie sociale et solidaire plutôt que celui de secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est un petit peu confus comme vocabulaire, hein. Donc, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire ont de spécial, c'est qu'elles privilégient par leur action et par leur activité l'enrichissement de l'ensemble de la société plutôt que l'enrichissement par le profit individuel de quelques-uns seulement. Et c'est toute la différence donc entre des entreprises qui œuvrent pour le bien commun et des entreprises qui œuvrent surtout pour les dividendes de leurs actionnaires. C'est la grande différence, hein, c'est le grand point de rupture entre les entreprises de l'économie sociale et les entreprises dites classiques, hein. Elles n'ont pas tout à fait le même but dans leur activité économique et sociale. Alors, une deuxième caractéristique, hein, que l'on retrouve dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, hein, ou qu'on devrait en tout cas rencontrer un petit peu partout, hein, si elles sont fidèles à la charte qui a été élaborée donc en 1980, au moment où ce concept est apparu, hein, dans les politiques publiques, elles doivent être gérées sous forme d'une gouvernance partagée et démocratique, c'est-à-dire qu'elles doivent associer l'ensemble des salariés de l'entreprise aux grandes décisions qui sont prises par celle-ci et non pas confier uniquement une gestion pyramidale, hein, avec un responsable au sommet de la pyramide et puis ensuite des exécutants des décisions du sommet de la pyramide.
Le troisième grande caractéristique, hein, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'elles se situent, dans des activités extrêmement précises, hein, qui sont essentiellement les activités sociales et environnementales, hein. Donc, ce sont des entreprises qui sont extrêmement utiles pour maintenir le lien social, hein, dans nos pays, hein, qui sont tous confrontés à l'heure actuelle, hein, en Europe comme au Maghreb, hein, où je me rends régulièrement, à énormément de phénomènes d'exclusion, de pauvreté, de déchirure en quelque sorte du tissu social. Et l'une des raisons d'être, hein, des entreprises de l'économie sociale, et en particulier de certaines d'entre elles que je vais détailler tout à l'heure, c'est d'essayer de faire en sorte que ce lien social tiennent, hein, malgré les difficultés, malgré les inégalités de revenus et malgré toutes les conséquences d'un système capitaliste néolibéral qui a tendance à creuser d'une façon absolument insupportable les inégalités entre les hommes et les femmes, et cela dans pratiquement tous les pays de la planète, puisque on assiste à l'heure actuelle à des phénomènes qui sont complètement insupportables. À savoir qu'une personne, parce qu'elle a du pouvoir, parce qu'elle a de la fortune, gagne en un jour ce que d'autres personnes gagnent en une vie. Donc, il y a des inégalités profondes et qui se creusent d'ailleurs dans notre société humaine, hein, entre les pays riches et les pays pauvres, hein, mais également, hein, à l'intérieur des pays riches et à l'intérieur des pays pauvres. Et je vais donc souvent au Maroc et en Tunisie, et je vois bien qu'il y a une minorité qui a tendance à s'enrichir, alors que la majorité de la population a plutôt tendance à côtoyer de plus en plus la pauvreté, ou en tout cas des difficultés d'existence. Le deuxième secteur d'activité qui est propre aux entreprises de l'économie sociale et qui est vraisemblablement responsable de leur très grand développement à l'heure actuelle, c'est que ce sont des entreprises qui travaillent dans la protection de l'environnement. Vous savez que plus que n'importe quelle crise économique que nous avons pu connaître dans les années précédentes, hein, la crise dans laquelle nous sommes rentrés est essentiellement une crise écologique. Et elle est particulièrement grave parce que on sait maintenant comment réguler des crises économiques, hein, depuis la grande crise de 1929 et les politiques keynésiennes et les politiques publiques. On sait à peu près comment relancer une activité économique lorsqu'elle est défaillante, hein, lorsqu'elle est en récession. Mais là, on est confronté à une crise que j'appelle volontiers une crise systémique, c'est-à-dire une crise du système économique et social, par le fait que ce modèle de développement que nous avons pratiquement tous adopté, de gré ou de force d'ailleurs, au niveau de la planète, cause des dégâts considérables sur la planète et sur les hommes qui y vivent. Hein, et nous sommes rentrés dans une espèce de cycle de destruction de l'environnement qui est absolument redoutable et absolument effrayant. Et on voit bien que d'année en année, ces phénomènes s'accentuent. Hein, jamais le réchauffement climatique n'a été aussi dangereux, jamais il y a eu autant de pollution dans les mers et sur les terres, avec une incapacité pour l'humanité de traiter ses déchets, hein, de façon satisfaisante et non polluante. On voit également des phénomènes climatiques absolument dévastateurs se passer sous nos yeux, hein, de typhons en ouragan, de montée des eaux à la raréfaction de l'eau potable, montée des eaux des océans et en même temps raréfaction de l'eau potable, pollution diverse, hein, et puis épuisement des ressources
ressources naturelles, hein, celles qui se trouvent dans le sous-sol de la Terre, hein, puisque nous arrivons pour un certain nombre de minerais ou un certain nombre d'énergies fossiles, hein, à un point de rupture, hein, quant à la capacité que nous avons de les exploiter et de les extraire, parce que nous sommes sur une seule terre, hein, et que cette terre, à force d'être pillée, hein, à force d'être exploitée, n'en peut plus. Hein, et je pense sincèrement que nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire ou bien l'ensemble de l'humanité, puisque c'est un problème mondial, hein, que cette crise systémique et ses dégâts environnementaux, ou bien l'humanité tout entière est capable de se doter d'un nouveau modèle de développement qui soit moins pollueur, moins énergivore et qui ne soit plus basé sur l'hyperconsommation et l'hyperproduction. Et à ce moment-là, elle peut peut-être se sauver, ou bien alors elle continue sur un modèle d'exploitation forcenée des ressources et des hommes, et elle va incontestablement à sa perte, hein, à sa destruction, hein. Je veux simplement vous donner un chiffre, hein. Si le niveau de vie moyen des Américains, d'un Américain moyen, hein, était le niveau de vie moyen de n'importe quel humain sur la planète, hein, il faudrait 5 planètes Terre pour arriver à ce résultat. Donc c'est impossible, hein, comme le disent beaucoup de manifestations de jeunes à travers le monde, hein, there is no planet B, hein, il n'y a pas de planète B, donc il n'y a pas de solution de secours, hein, lorsqu'on aura complètement tué notre planète, hein, ce qui est vivant sur notre planète, hein, de la toute petite bestiole jusqu'à la plus grosse, hein, et vous savez que en matière de faune et de flore, les destructions sont également extrêmement graves et quasiment irréversibles, hein, eh bien l'humanité sera en très très grand danger de disparition. Hein, la planète, elle continuera à tourner. Hein, elle a tourné avant l'arrivée de l'homme sur la Terre. Hein, elle continuera à tourner. Ce qui est en jeu à l'heure actuelle, c'est le maintien de l'humain. Hein, voilà. Donc, je pense avoir explicité un petit peu ce concept d'économie sociale et solidaire par le fait qu'il porte un certain nombre de valeurs et un certain nombre de principes. Alors maintenant, rentrons un petit peu dans le détail, hein, de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, car elles n'obéissent pas toutes au même statut juridique. Il y a trois grands statuts juridiques, hein, qui codifient des entreprises de l'économie sociale, alors, et qu'on appelle des familles de l'économie sociale. La première famille est celle des mutuelles. Hein, depuis très longtemps, hein, les hommes ont essayé de se protéger collectivement, hein, et ils ont créé entre eux des liens de solidarité par des mutuelles, hein, sorte de caisse de secours servant à plusieurs familles lorsqu'elles étaient frappées par la maladie, l'accident, le chômage. Et donc, nous avons là la première famille de l'économie sociale, ce sont des mutuelles, avec deux types de mutuelles, hein, des mutuelles de santé pour protéger les gens contre les accidents de la vie, hein, et pour leur permettre d'accéder à des soins médicaux ou pharmaceutiques, hein, et également des sociétés d'assurance à caractère mutuel qui, elles, protègent non pas les personnes, mais protègent les biens, hein, c'est-à-dire essentiellement les habitations, les automobiles, enfin tout ce que nous pouvons posséder et qui doit être assuré en cas de destruction ou en cas de perte. Donc la première famille, hein, c'est la famille dite mutualiste, hein, les mutuelles, qui en France sont nées très très tôt, hein, elles sont nées au moment de la révolution industrielle, hein, donc à la fin du 19e et début du 20e siècle. Et elles ont été créées par des hommes et des femmes qui voulaient donc ensemble affronter les difficultés de la vie et qui pensaient, à juste titre d'ailleurs, que seuls
ils n'y arriveraient pas et qu'il fallait donc se regrouper hein, soit par village, soit par quartier, soit par profession, pour pouvoir s'organiser et trouver des moyens d'apporter de l'aide à des familles hein, appartenant à la mutuelle, à la société d'assurance à caractère mutuel, à la société d'entraide mutuelle, répondre aux besoins qu'elles rencontraient. Donc, ce modèle en France est extrêmement ancien, hein. Il s'est beaucoup développé, en particulier dans la fonction publique, et il y a des mutuelles de la fonction publique en France qui sont absolument énormes hein, et qui ont plusieurs millions d'adhérents. Alors, le rôle des mutuelles s'est un petit peu modifié en 1945 en France à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque les responsables politiques dans les années 45-50 ont doté la France d'une protection, et les Français, hein, d'une protection sociale obligatoire, hein, qu'on appelle la sécurité sociale, qui fait que vous êtes assuré social du moment où vous êtes salarié. Et donc, c'est une protection sociale obligatoire hein, qui est financée conjointement par les salariés et les employeurs. Donc, les mutuelles auraient très bien pu à ce moment-là disparaître. Elles ne l'ont pas fait parce que la sécurité sociale ne rembourse pas totalement des frais très importants que peuvent entraîner des hospitalisations, des interventions médicales diverses. Et donc, elles viennent en complément à la protection sociale obligatoire, c'est ce qu'on appelle la protection facultative. Un Français sur deux à l'heure actuelle est adhérent à une mutuelle et elle joue également un rôle très important dans la prévention hein, des maladies. Hein. Elles ont joué un rôle en particulier très, très important pour informer la population des risques du sida hein, ou d'autres maladies transmissibles. Hein. Et elles sont en première ligne à l'heure actuelle pour informer les gens des risques de la pandémie. Hein. Pandémie dont on sait maintenant qu'elle a été apportée, hein, que les virus ont été apportés par un certain nombre d'espèces animales qui ont été chassées de leur milieu naturel et qui ont emporté avec elles des virus que nous, humains, ne connaissions pas parce que ces espèces animales, hein, en particulier, semble-t-il, les chauves-souris, avaient été dans des endroits où l'homme, finalement, était très peu présent. Et le fait que, progressivement, l'homme fait reculer à la fois les forêts, les milieux naturels tels qu'ils sont et tels qu'ils étaient, fait qu'il y a des espèces qui ont été chassées de leur lieu de vie et qui étaient porteuses de virus et qui ont été virus qui ont été ensuite transmis à l'homme. Et vraisemblablement, cette situation est extrêmement grave parce que je ne vois pas comment elle pourrait s'arrêter. Hein. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'espèces qui, chassées de leur milieu naturel, vont se rapprocher des humains et peuvent éventuellement donc transmettre des virus que nous ne connaissons pas, qui sont des virus portés par un certain nombre d'espèces animal et sur lequel nous aurons vraisemblablement beaucoup de difficultés à réagir. En tout cas, je crains que, et on le voit avec la multiplication des variants hein, du virus Covid, hein, que nous ayons là ouvert une espèce de boîte infernale hein, qu'il risque d'y avoir une multiplication de virus que nous ne connaissions pas hein, et qui ont été libérés par des déséquilibres entre l'homme et la nature. Et on peut être en particulier très inquiet sur le fait que le permafrost, hein, qui est une couche de glace qui remonte à des millions et des millions d'années sur un certain nombre de territoires, en particulier en Sibérie, est en train de fondre et que des virus qui étaient vraisemblablement emprisonnés
emprisonnés dans cette forme de glaciation, hein, risquent d'arriver à l'air libre avec toutes les conséquences imprévisibles que l'on peut connaître. Bon. La deuxième famille de l'économie sociale est beaucoup plus connue hein, que la famille des mutuelles, hein, parce qu'elle est répandue un petit peu partout à travers le monde. Ce sont les coopératives hein, de tout temps. Les hommes et les femmes qui travaillaient la nature se sont réunis pour exploiter la terre hein, et pour pouvoir s'alimenter. Et ils ont très vite compris qu'il valait mieux travailler ensemble, hein, en commun, que travailler chacun de son côté, en particulier à un moment où l'agriculture s'est fortement mécanisée. Donc, les coopératives sont nées donc d'une volonté hein, de se rassembler hein, pour travailler localement dans des domaines agricoles. Et en France, le développement des coopératives a été extrêmement rapide hein, dans un certain nombre de secteurs de l'agroalimentaire, tels que le lait, la viande, le vin, et les coopératives qui ensuite d'ailleurs ont basculé dans la transformation de ces produits primaires et sont rentrées dans ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire hein, pour pouvoir améliorer l'alimentation des hommes et des femmes. Alors, l'originalité, alors les coopératives agricoles, hein, mes amis marocains et tunisiens et même l'ensemble de mes amis arabes hein, les connaissent bien hein, puisque c'est un modèle très très répandu dans ces pays, avec parfois des échecs, hein, parce que gérer une coopérative, c'est pas évident. Hein. Il faut les coopérateurs sont propriétaires donc de leur outil de production, du matériel et des terres. Hein. Mais il faut véritablement être extrêmement rigoureux quant à la gestion, quant à la modernisation des exploitations. Hein, et parfois, certaines coopératives n'ont pas été à la hauteur de ce que l'on attendait d'elles. Hein, et puis, il y a même eu parfois des coopératives dans lesquelles des systèmes mafieux se sont installés et qui ont un petit peu détérioré l'image coopérative. Mais le coopérativisme, hein, comme on appelle cela en France, hein, a su surmonter ces difficultés. Hein, et on trouve dans mon pays hein, des coopératives dans différents secteurs, hein, dans le secteur agricole, donc je l'ai dit, dans le secteur de la production manufacturière, hein, avec ce qu'on appelle des sociétés coopératives de production, qui sont très puissante hein, dans un certain nombre de corps de métier, en particulier le bâtiment, les travaux publics, la prestation de services, hein, les nouvelles techniques de la communication. Et on assiste à l'heure actuelle d'ailleurs à un regain de ce type d'activité hein, et qui couvre donc l'ensemble du champ économique. Il y a également des coopératives d'artisans, des coopératives de marins-pêcheurs, hein, des coopératives de consommateurs hein, qui font que les gens, plutôt que d'acheter chacun de son côté, hein, achètent en gros et peuvent bénéficier par la même de rabais au niveau de leurs achats. Donc, le mouvement coopératif s'est énormément développé hein, et on le retrouve partout présent d'ailleurs à travers le monde, hein, à un niveau plus ou moins élevé en fonction des cultures ou des spécificités de chaque pays. La troisième famille hein, qui répond elle aussi à un statut bien particulier, hein, le statut des coopératives, il est surtout basé sur le principe un homme, une voix, c'est-à-dire que quel que soit l'apport d'un coopérateur
à l'intérieur de la coopérative, hein, il ne bénéficie que de la même voix que celui qui apporte plus ou qui apporte moins. C'est le principe fondamental de la coopération. Le troisième famille, hein, qui s'est énormément développée en France, ce sont les associations. Elles ont été autorisées par une loi de 1901, donc une loi du début de la République, hein, en France, et elles jouent un rôle extrêmement important dans la vie économique et sociale de mon pays. Elles sont en particulier très présentes dans le secteur social pour l'accueil, l'hébergement, les soins, le maintien à domicile des personnes âgées, l'accueil également en établissement de personnes handicapées, la multiplication des services en direction de personnes qui veulent rester malgré leur handicap ou malgré leur âge à domicile, hein, et il y a là donc un gisement d'emploi et un gisement d'activité qui ne cesse de se développer, compte tenu en particulier du vieillissement de la population. Mais on trouve également des associations qui s'occupent des tout jeunes enfants, hein, et donc qui, elles aussi, appartiennent au secteur social. En France, on estime qu'environ 70% des salariés qui travaillent dans des associations travaillent précisément dans le secteur sanitaire et social. Et il faudrait également parler de tous les gens qui essayent, partout où ils sont, hein, sous forme associative, de maintenir du lien social, de lutter contre la précarité, de lutter contre les exclusions. Et on a vu à quel point ces associations en France ont été importantes pendant la période, et continuent à être, hein, importantes pendant la période de la pandémie, hein, qui malheureusement n'en finit pas, hein, et en permettant à des gens isolés de pouvoir continuer à ne pas être complètement coupés du reste de la société, et également apporter à des gens qui sont tombés de par une rupture du contrat de travail ou bien par un chômage quelconque, hein, dans la misère et la pauvreté, et leur apporter une aide alimentaire, une aide en termes de logement, une aide en termes d'accueil. On trouve également des associations très présentes dans le domaine de la formation, hein, pour lutter en particulier contre des phénomènes d'exclusion, comme par exemple l'exclusion par la langue, hein, lorsque une société essaye d'intégrer en son sein des gens qui ne parlent pas la même langue, et donc il faut leur permettre de pouvoir accéder à l'ensemble des services publics et donc accéder à la langue du pays qui les accueille. Donc il y a énormément d'associations qui travaillent, en particulier dans des quartiers où il y a une extrême pauvreté et où les risques de marginalisation, hein, sont particulièrement graves, en particulier de marginalisation de jeunes qui très souvent se retrouvent sans emploi et peuvent basculer dans une économie parallèle, une économie souterraine, une économie mafieuse, hein, basée sur un certain nombre de trafics que vous connaissez bien, malheureusement. Donc, le mouvement associatif français est également présent dans le domaine sportif, hein, pratiquement tous les clubs sportifs sont gérés de façon associative. Dans le domaine des loisirs, hein, que ce soit en termes de tourisme, que ce soit simplement également en termes de culture, hein, énormément de troupes de théâtre, de spectacles d'art vivant sont gérés par des associations. Même chose également pour les grands mouvements d'éducation populaire, hein, qui essayent de proposer une formation à leurs adhérents tout au long de leur vie. Et dans le domaine également de l'éducation et dans le domaine de la protection de l'environnement. Et cela explique le chiffre extrêmement élevé en France de salariés travaillant dans le mouvement associatif, puisqu'il y a 2 millions à l'heure actuelle d'hommes et de femmes, essentiellement des femmes d'ailleurs, à 70%, qui travaillent dans le mouvement
dans le mouvement associatif. On estime en France donc que si on ajoute ces 2 millions de salariés du mouvement associatif aux 200 000 salariés qui travaillent dans les coopérations, aux 200 000 salariés qui travaillent dans les mutuelles, on a un secteur de l'économie sociale, c'est-à-dire donc le regroupement de ces trois familles hein, qui obéissent donc aux mêmes valeurs que celles que je vous ai décrites hein, au tout début de mon intervention, hein, de l'ordre de 2 400 000 personnes, c'est-à-dire à peu près 15% de la population active française, qui est extrêmement important. Leur poids économique est difficile à véritablement mesurer d'une façon adéquate, hein, parce que beaucoup d'activités, en particulier dans le domaine social, ne sont pas quantifiables. Hein. Or, vous le savez, malheureusement, hein, les grands indicateurs économiques mondiaux sont des indicateurs uniquement quantitatifs. Hein. Je pense en particulier au PIB, qui mesure essentiellement les activités des différents pays, hein, mais en termes quantitatifs. Or, on ne peut pas mesurer du tout ce que peut apporter sur le plan social une association qui travaille dans un quartier, qui fait donc un travail de prévention et de lutte contre les misères et la pauvreté. Donc, vous voyez que nous sommes en France avec un taux donc extrêmement élevé hein, en termes de salariés, 15% de la population active et vraisemblablement entre 12 et 13% du PIB. Hein, c'est extrêmement difficile à chiffrer, comme je vous le disais. Alors, la grande évolution récente en France, hein, dont je voudrais vous parler, et je vais terminer là-dessus, c'est que notre pays, hein, mon pays, s'est doté en 2014 d'une loi cadre. Qu'est-ce que c'est qu'une loi cadre, hein, et pourquoi ces lois cadres se multiplient à travers un certain nombre de pays? Eh bien, ce sont des lois qui véritablement fixent de façon extrêmement précise les contours de ce que l'on peut appeler le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui jusqu'à présent restait dans un flou juridique. On savait que dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire, il y avait des associations, les coopératives et les mutuelles, mais les frontières n'étaient pas clairement définies et les lois cadres permettent véritablement de montrer la place de l'économie sociale dans un phénomène de développement économique hein, et donc dans ce sur quoi réfléchissent à l'heure actuelle un certain nombre de pays du monde arabe, hein, c'est-à-dire un nouveau mode de développement, puisque beaucoup de ces pays ne veulent plus accepter la mondialisation néolibérale ravageuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, la loi cadre française du 31 juillet 2014 a apporté une nouveauté qui est extrêmement intéressante et qui d'ailleurs fait tache d'huile dans beaucoup de pays hein, qui imitent un petit peu ce modèle, puisqu'elles acceptent dans le secteur de l'économie sociale, comme faisant partie des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire des sociétés qui ne sont plus simplement des sociétés de personnes, mais qui sont des sociétés de capitaux sous forme de SARL, de SA, de SAS, hein, mais qui obéissent aux mêmes règles et aux mêmes valeurs, aux mêmes fondements culturels et je dirais presque même idéologiques hein, que les entreprises de l'économie sociale. Et donc en France, il y a un très fort développement de l'entrepreneuriat, hein, soit individuel, soit collectif, hein, et beaucoup de ces entreprises sont créées par des hommes et des femmes qui les créent non pas pour s'enrichir eux individuellement, mais pour enrichir la société tout entière ou bien pour lutter contre un certain nombre d'inégalités dans la société dans laquelle ils vivent. Et donc, désormais en France, il y a une quatrième famille qui s'appelle la famille de l'entrepreneuriat social. Il est très
qui doit quand même, pour être reconnu comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire, obtenir un label qui s'appelle label ESUS, hein, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui veille à ce que les grands principes que je vous ai énoncés au tout début de mon exposé soient appliqués à l'intérieur de l'entreprise, et en particulier que ce soient des entreprises qui travaillent essentiellement dans le secteur social et environnemental, que ce soit des entreprises dans lesquelles la gouvernance est partagée, et des secteurs et des entreprises dans lesquelles le maximum de bénéfices, hein, le maximum d'excédent reste à l'intérieur de cette entreprise et n'est pas distribué. C'est ce qu'on appelle le principe de la lucrativité limitée. Hein, dans les trois premières familles les plus anciennes, la non-lucrativité était totale, hein, c'est-à-dire lorsqu'il y avait des excédents, ils n'étaient pas distribués de façon individuelle, ils restaient à l'intérieur de l'entreprise pour qu'elle permette de continuer à vivre et de se développer. Et dans les entreprises donc de l'entrepreneuriat social, eh bien une partie des excédents et des bénéfices peuvent rémunérer les apporteurs de capitaux. Et comme on n'a pas trouvé de chiffres véritablement qui conviennent à tout le monde quant à la capacité de quant au montant des bénéfices pouvant être redistribués à des personnes individuelles, on parle de lucrativité limitée qui généralement se situe entre 5 et 20% des excédents de l'entreprise, c'est-à-dire que le reste, hein, 80 à 90%, reste à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, je crois que j'ai parlé suffisamment de mon pays. Alors, ce que je peux dire, et ça va, je pense, intéresser les personnes qui m'écoutent, et je remercie de leur patience et de leur écoute, hein, pour certaines d'entre eux, c'est vraisemblablement des collègues universitaires, c'est que le modèle de l'économie sociale et solidaire est en train de se répandre à travers toute la planète, hein, et comme une espèce de réponse, hein, à la mondialisation capitaliste globalisée, hein, dont on a vu, en particulier durant cette pandémie, hein, à quel point elle était limitée, hein, puisque sur un certain nombre d'approvisionnements, hein, on voit bien qu'on est totalement dépendant de la Chine et que c'est des situations qui ne sont pas tenables, hein. Il faut relocaliser un certain nombre de productions. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'économie sociale est souvent associée au développement des territoires, hein, avec une approche très, très locale, parce que je pense que l'une des réponses que l'on doit apporter, hein, en tant que citoyen, c'est de reconquérir notre capacité de maîtrise de l'activité économique, hein, qui nous a été confisquée par les grandes multinationales, hein, qui désormais règnent en maître sur le marché mondial. Il faut absolument faire le chemin inverse, hein, c'est-à-dire internaliser ces productions, hein, dont on a bien vu que pour certaines elles étaient fondamentales, hein, puisque des pays aussi riches que la France, par exemple, ont manqué au cours de la première vague de la pandémie cruellement de ce qui était tout à fait nécessaire pour soigner les gens, des masques, des respirateurs, etc., parce qu'on était complètement dépendant de nos importations. Donc, développement territorial et économie sociale sont étroitement liés. Alors, cette mondialisation de l'économie sociale se marque comment? Bien, tout d'abord par le fait que l'ensemble des pays du Maghreb ont fait du développement de l'économie sociale et solidaire une priorité des politiques publiques, hein. C'est le cas donc au Maroc, qui fait un très très gros effort, hein. C'est le cas également en Tunisie, qui vient d'ailleurs de se doter d'une loi cadre, et c'est également même le cas en Algérie, où un certain nombre d'expériences, hein, d'économie sociale et solidaire sont en train de voir le jour. Et dans ces trois pays, on voit bien qu'ils ont compris que tout commençait par la formation des gens, hein, puisque
puisque dans pratiquement toutes les universités les plus importantes du Maroc, il y a désormais des formations d'études supérieures, licence ou master en économie sociale et solidaire. Récemment, la semaine dernière, j'ai ouvert celle à distance, hein, celle de Fès, hein, mais on retrouve à Tanger, à Rabat, à Casa, à Oujda, à Agadir, à des universités qui sont maintenant vraiment très, très, très à la pointe au niveau de la formation au métier de l'économie sociale et solidaire, parce que on peut, je crois, logiquement penser que le développement des pays qui va venir essentiellement de leur capacité à mobiliser leur territoire, à reprendre en main leur activité économique, hein, comme des citoyens libres et responsables, hein, et non pas subir, hein, et que cela passe donc par un haut degré de formation au niveau des personnels d'encadrement et même des personnels d'exécution. À Tunis, il y a également plusieurs universités qui ont désormais des diplômes très qualifiants en économie sociale et solidaire, en particulier à Tunis-Carthage. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que cette vague donc de développement de l'économie sociale, hein, comme partie prenante maintenant du développement global d'une société ou d'un pays, a sauté le Sahel, hein, puisqu'on trouve des pays de l'Afrique francophone en particulier qui développent des politiques publiques très en pointe sur l'économie sociale et solidaire. C'est le cas du Sénégal, hein, qui s'est doté récemment d'une loi cadre sur l'économie sociale et solidaire, qui a d'ailleurs également une ministre de l'économie sociale et solidaire. C'est le cas également du Togo, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, autant de pays qui font désormais un effort très très important pour développer ces entreprises de l'économie sociale. Voilà, si on change de continent, hein, mais le continent africain est vraiment un continent qui est en train à l'heure actuelle de bâtir un nouveau modèle de développement, et si on passe en Amérique du Sud, hein, bon, c'est pas un pays arabe, mais je voulais quand même le citer, hein, il y a une très très forte implication de l'économie sociale dans le développement d'un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, hein. Le Venezuela, le Brésil, le Chili, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie développent chacun à l'intérieur de ses frontières, hein, des politiques de développement de l'économie sociale extrêmement ambitieuses. On trouve également un développement embryonnaire, hein, de l'économie sociale en Asie, en particulier au Japon, hein, qui connaît un très fort développement du mouvement coopératif, et en Corée du Sud, qui est également en passe de devenir un pays pilote en matière d'économie sociale dans le continent asiatique. Alors, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe ni en Chine ni en Inde, mais en tout cas, je sais ce qui se passe à la périphérie, en particulier donc en Corée, au Vietnam, au Laos, hein. Alors, c'est pas forcément, on n'appelle pas forcément ce secteur un secteur d'économie sociale et solidaire. On parle souvent de développement communautaire. On peut parler de développement villageois, hein. L'essentiel, c'est qu'il se fasse avec une très, très forte implication de la communauté tout entière, hein, et mes amis africains connaissent bien ce rôle des communautés villageoises, hein, dans le développement de leur pays. Alors, j'ai malheureusement pas beaucoup, mais je compte sur le centre de recherche avec lequel donc je suis maintenant désormais en contact pour me dire un petit peu ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays du Moyen-Orient. Hein. Je dois dire que là, j'avoue mes méconnaissances, hein, qui sont assez graves, que je vais essayer de corriger, hein, en essayant de m'intéresser à ce qui se passe dans un certain nombre de pays arabes. Hein, voilà, mais pour le moment, je n'ai pas en tête de modèle bien précis.
Alors, je vais terminer sur le sous-titre de mon livre. Hein. J'ai appelé mon livre Économie sociale et solidaire pour un autre modèle de développement, et je vais en revenir donc à ce que j'estime fondamental, hein. C'est que nous ne pouvons pas continuer, nous, l'humanité tout entière, à être sur le modèle de développement tel qu'il est à l'heure actuelle. Il est trop inégalitaire, il est trop injuste et il est trop destructeur. Il faut donc que l'on invente un modèle de développement qui soit moins consommateur, qui ne repose plus sur le productivisme à outrance. Hein. Il faut que nous soyons raisonnables dans la satisfaction de nos besoins. Et ce mode de développement, pour le moment, seule l'économie sociale et solidaire le porte, et j'espère qu'elle arrivera à modifier d'une façon considérable les modèles de développement de l'ensemble des pays de la planète. Voilà, parce que nous sommes une seule planète et il faut que cette planète, elle se sauve, hein, et elle ne peut se sauver qu'en changeant radicalement ses modèles de développement. Voilà, merci de votre attention. J'ai peut-être été un petit peu long, hein, comme à mon habitude. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai. Pas du tout, Jean Gattel. Nous avons très, très bien, suivi votre intervention. C'est une intervention qui était riche, bien sûr, en enseignement. Nous sommes très heureux de votre présence parmi nous. C'est la première fois que vous faites une intervention, que vous êtes parmi les hôtes du Centre démocratique arabe. J'en suis très honoré, tu sais, Karim. J'en suis très honoré, vraiment. Nous aussi. C'est que la présence s'étend de l'Irak, Yémen, l'Algérie, Tunisie, Maroc, il y a la Libye, l'Égypte, le Liban, et il y a un certain nombre de chercheurs qui nous suivent à travers les différents groupes du Centre démocratique arabe sur Facebook, parce que c'est un live sur Facebook qui est partagé sur la page officielle du centre et aussi à travers les groupes affiliés à la page principale du centre. D'accord. Si vous permettez, tu sais que j'ai ma page Facebook moi aussi. Facebook aussi. Que tout le monde peut aller consulter. Oui. Hein. Oui. C'est aussi une occasion pour que je puisse un petit peu présenter une brève traduction, parce que je traduirai tant que je peux, mais je ne serai pas aussi fidèle à l'esprit du texte que vous avez et à l'intervention que vous avez faite. Donc, بالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فقد حدد الأستاذ جون غاتيل ثلاث محاور أو استراتيجيات، وهي الاقتصاد التعاضدي لميتويل، وهذا الاقتصاد التعاضدي يعتمد على اشتراك المهنيين خاصة في بناء منظومة تضامنية تساعد الفئات وخاصة الطبقة المتوسطة في تحقيق توازنها الاجتماعي. قدم الاستراتيجية الثانية وهي التعاونيات الكوبراتيف، والتي هي تعتمد على مبادرات اجتماعية لجمعيات ومؤسسات ليست ذات ربح في المجتمعات، خاصة قدم المثال الفرنسي بإحصائيات. وبعد ذلك قدم المحور الثالث، والذي هو تأسيس الشركات الاجتماعية كمؤسسات بديلة تمكن من إحراز تضامن اجتماعي والتغلب على مجموعة من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المجتمعات. بطبيعة الحال المحاضرة كانت متخصصة وأشارت إلى أن هناك نماذج متعددة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، ليس فقط كسياسة فرنسية ولكن أيضا على مستوى دول المغرب، دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط،
وخاصة قدم أمثلة عن دول في أمريكا اللاتينية كفنزويلا وبلدان أخرى وأيضا بلدان آسيوية كالصين في بعض المناطق واليابان وكوريا الجنوبية واللاوس. بطبيعة الحال الأستاذ جون غاتيل له مؤلفات في ذلك وله صفحة على الفيسبوك تنتهي بجون نقطة غاتيل، يمكن زيارتها وأيضا بها محاضرات مسجلة بالإضافة إلى محاضرات وكتب قيمة توجد أيضا على صفحته بالفيسبوك. نفس الأمر ينطبق على المركز الديمقراطي العربي الذي نظم مؤتمرات حول المسؤولية الاجتماعية، حول مسؤولية المؤسسات، حول الاقتصاد في ظل جائحة كورونا بالشرق الأوسط وأيضا بالعالم العربي. كانت هذه باقتضاب أهم النقط التي تطرق لها الأستاذ جون غاتيل. Votre Excellence Jean Gattel, nous sommes très oui. heureux et très ravis que Merci vous avez beaucoup. Partagé avec nous votre conférence pour ce soir. Nous espérons, j'espère que ce n'est qu'un début, Karim. Nous espérons bien sûr que nous réussirons à animer d'autres conférences thématiques très très prochainement. Très bien. Et avec ce souhait-là, bien sûr, je réitère mon souhait à moi-même, à vous et à l'ensemble des chercheurs et des personnes qui nous suivent, que ce soit sur Zoom ou Facebook, de la nécessité d'effectuer les gestes barrières, de se laver les mains quotidiennement et le plus souvent possible au savon, de porter la bavette et de respecter les précautions bien sûr dictées par les autorités pour notre bien, pour qu'on se préserve des pandémies et de ces autres variantes et pour qu'on soit toujours présent dans les activités du Centre démocratique arabe, que ce soit cette semaine-là avec la workshop qui sera organisée le vendredi ou la conférence sur le genre organisé le samedi et le dimanche et les autres conférences le lundi et le mercredi prochain. Monsieur Jean Gattel, j'aimerais vous laisser le mot de fin avant qu'on clôture notre conférence de ce soir. Karim, écoute, j'ai été enchanté de faire cette conférence devant ce centre. Alors, je ne sais pas exactement comment traduire ça en français, le Centre pour démocratique arabe. Arabe. Oui. Très bien. J'espère que ça n'est qu'un début, hein, qu'on pourra nous continuer à. Prière que vous la prononciez en arabe aussi. Oui, oui, ça c'est un travail, qui m'attend et qui n'est pas gagné. Oui, donc j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble. En tout cas, vous savez compter sur ma disponibilité. Et puis, je le répète, hein, j'ai deux pages sur Facebook sur lesquelles on peut échanger. Ma page personnelle, hein, donc Jean Gattel. Et puis, j'ai créé une page spéciale économie sociale et solidaire qui s'appelle Jean Gattel consultant ESS. Hein, et donc, vous pouvez m'y retrouver tous les jours. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu partager avec vous ce moment. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Protégez-vous bien et puis à bientôt. Merci. Merci Jean Gattel. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci. تحياتي لكم جميعا. لقد تم وضع رابط تسجيل الحضور والشهادات سوف تكون متوفرة قريبا جدا. شكرا لكم وشكرا لحضوركم ومتابعتكم لأنشطة المركز الديمقراطي العربي. ملقانا بعد غد في إطار ورشة علمية حول اللغة الإنجليزية. هذه الورشة سوف تكون من تأطير الأستاذة وفاء ورنيقي. أحاول إيجاد إعلانها. على أي ولدينا موعد
بحول الله سيكون حول موضوع الجندر يوم السبت والأحد. إلى ذلك الحين أتمنى أن أجدكم في صحة وعافية. هذه ورشة يوم الأربعاء. Teaching, ICP teaching between theory and practice, a case study. وستكون يوم الجمعة على الساعة 7 بتوقيت غرينتش. ويوم السبت والأحد مؤتمر الجندر. إلى ذلك الحين دعواتنا لكم بالسلامة والعافية، ونتمنى أن نلقاكم قريبا جدا، وأن تبقوا دائما في صحة جيدة. نستودع الله وطابت ليلتكم. Bouddhi.